Voyez, une des plus belles choses que nous avons dans la vie, c'est de glorifier notre Dieu. Nous devons nous habituer à lui répondre quand il nous donne un présent, nous donne une bénédiction. Et alors notre âme va chanter pour lui un cantique, va faire une déclaration, ce qui le rendra très heureux, parce que nous avons été sensibles au jet de son esprit. Dit ceci, Ésaïe 42:12, qu'on rende gloire au Seigneur, et que dans les îles, on dit sa louange. Tout ce qui rêve de bon a juste un auteur qui est Dieu. Tout ce qui produit de mauvais a juste une main derrière ça, qui a fait ce mal, c'est le diable. On va faire une louange à Dieu, annoncer sa louange, lui rendre gloire et annoncer sa louange dans toutes les îles, et ainsi Dieu sera béni. Voyez ce témoignage. Quel est votre nom? Adailton da Silva. Depuis combien de temps utilisiez cette béquille? Cette béquille, je l'utilise cela fait plus ou moins 3 ans. 3 ans? Pourquoi? C'est un accident de voiture que j'ai souffert à Alcântara et je me suis cassé le fémur. J'ai été opéré du fémur, du genou et du bassin. Et maintenant, aujourd'hui, comment est-ce arrivé ici? Je suis venu. Montre-le-moi. Comme ça? Oui. Mettez-le dans le dos, mon frère. Rentrez chez vous, Adailton. Oh, gloire à Dieu. À présent, je prie avec vous, Père. Cette personne a besoin de te connaître, apprendre de toi, relever la tête et vaincre toutes les batailles. Mon âme est reliée à la sienne et au nom de Jésus, je dis à tout mal, sors de cette vie, au nom de Jésus, et vous dites Amen.